Attention, vous écoutez un programme audioactif. The bayous of Louisiana. The home of a little understood group of Americans. They're a peaceful people as long as they're left alone. Everybody out of the truck! The National Guard on weekend maneuvers. In 48 hours, they'll be home with their families. There's only one problem. Will you back in here? This is our home. They've crossed the boundary into a territory where they don't belong. We ran into some people that are real weird, and I think maybe they're trying to kill us. They violated laws they never knew existed. Somebody figure out where the hell we're going and do it quick. Gotta go east to go north. Hell, that damn thing. And the farther they go, the closer they get to nowhere. I don't know how I'm gonna do it. But I'm gonna fight my way out of here. Bonjour et bienvenue dans la Freeing Zone. Pour ce nouvel épisode, nous allons plonger dans la violence crue d'un survival réalisé par Walter Hill en 1981, Sans Retour ou Southern Comfort, produit par Cinema Group Ventures et distribué par la 20th Century Fox pour un budget de 7,6 millions de dollars. Le pitch, un groupe de 9 gardes nationaux effectue des manœuvres d'entraînement le week-end dans les bayous de la Louisiane. Parmi eux se trouve un nouvel arrivant, le caporal Hardin, qui va être confronté à des compagnons bien perturbés. La balade dominicale tourne au cauchemar quand un soldat du dimanche, encore plus nerveux que les autres, ouvre le feu, à blanc je précise car c'est un exercice, sur des cajuns dont ils avaient emprunté les canoës, une plaisanterie du côté des gardes et une déclaration de guerre côté cajun. Le film est réalisé par Walter Hill, une personnalité que vous devez connaître à trois titres. Tout d'abord en tant que réalisateur avec des films comme le génial The Warriors en 1979, 48 heures avec Eddie Murphy et Nick Nolte, Comment claquer 1 million de dollars par jour avec les regrettés Richard Pryor et John Candy, Dernier recours avec Bruce Willis, Du plomb dans la tête avec Sylvester Stallone. Ensuite, vous avez sans doute vu son nom dans les crédits de la série des films Alien en tant que producteur. Enfin, il est un des réalisateurs qui a utilisé le pseudo Thomas Lee ou Alan Smithy quand un réalisateur désapprouve le montage des studios ou qu'il renie tout simplement l'énorme boost qu'il vient de pondre. En l'occurrence, il s'agissait de Supernova, une super production de l'année 2000. Je vous laisse deviner dans quelle catégorie il rentre. Au niveau du casting, nous retrouvons Powers Booth, que je classe dans la catégorie des acteurs avec une gueule qui dit « Me fais pas chier ou je vais te faire une guerre comme t'en as jamais vu ». Vous voyez le genre Tom Berenger, Ray Liotta ou Keith David, un acteur qui associe un physique et une voix hors normes. Il est malheureusement décédé en 2017 à l'âge de 68 ans. Ma sélection personnelle, L'Aube Rouge de John Milius, La Forêt d'Émeraude de John Boorman, Tombstone, Mort Subite de Peter Himes, mais aussi Deadwood, Sin City et Les Agents du Shield. Il joue le rôle du nouvel arrivant, le caporal Hardin. Ensuite, il y a Keith Carradine, une belle gueule, un regard intense. Le grand blond affiche 139 crédits d'acteurs composés de films et de séries TV. Au moment de Sans Retour, on note surtout Les Duellistes de Ridley Scott. Après, je citerai surtout des séries avec Deadwood également, Les Sauvages, Dexter, Damages et Fargo. Il joue le rôle de Spencer, un autre garde national qui va s'allier à Hardin. Enfin, Fred Ward, dans le rôle de Rhys, encore un garde national. Il joue dans L'Étoffe des Héros, mais les geeks le connaissent surtout pour son rôle dans le B-movie bien cool Tremors, sorti en 1990, et surtout un film qui fait du bien, Remo Williams en 1985, un film que vous devez vous dépêcher d'aller voir. Encore et enfin, ben oui, parce que j'adore cet acteur, vous l'avez déjà vu dans une précédente émission, il y a Brian James qui joue dans ce film, la superbe gueule que j'adore, qui joue au rôle d'un cajun et qui jouait encore une fois dans Blade Runner et Enemy Mine. Je vous ai dit aussi qu'il y avait Peter Coyote dans le film. Au niveau de la production, et avant de commencer, deux précisions. Tout d'abord, qu'est-ce que la garde nationale ? C'est en gros l'équivalent des pompiers volontaires en version militaire, des civils comme vous et moi qui consacrent une partie de leur temps à un service national. Mais dans le cadre de la garde américaine,
on doit sans doute trouver un mélange entre patriotes convaincus et cowboys du dimanche. C'est d'ailleurs cette deuxième image qui inspire les films comme Sans Retour ou même Rambo 1. Ensuite, qu'est-ce qu'un Cajun ? Les Cajuns sont des descendants des Acadiens francophones qui, au XVIIIe siècle, furent déportés par les Britanniques de l'Acadie du Canada vers l'Acadie de Louisiane aux États-Unis. Ils sont également appelés Cadiens. Nous les connaissons pour leur musique folklorique dansante, dominée par le violon et agrémentée par des chants anglais ou dans un dialecte francophone. Mais dans ce film, ce sont clairement des bouseux qui traînent dans les marécages. Walter Hill et David Giller, également au crédit des Aliens, ont réécrit le script préparé par un autre écrivain. Selon Hill, aucun studio ne voulait y participer, mais un type indépendant s'est présenté qui entretenait une relation avec la Fox. Il a aimé, il a dit qu'il financerait. Le film a été tourné pendant 55 jours dans la région de Caddo Lake. Les militaires, le décor, le public allaient forcément y voir une allégorie avec le Vietnam. Walter Hill rejette totalement cette théorie. Walter Hill revient sur le tournage. J'étais très fier des acteurs, c'était un film difficile à faire, ils en ont enduré beaucoup. Ils vous diront sans doute qu'ils m'ont aussi beaucoup supporté, mais ils l'ont vraiment fait sans se plaindre. Et je pensais juste que j'étais très chanceux d'avoir le casting que j'avais. Bon Dieu, c'était un film difficile à faire. Je pense que quand on voit le film, on s'aperçoit vite qu'il n'a pas été tourné dans une boîte de nuit de Las Vegas. Mais c'était juste des endroits difficiles à atteindre, très difficiles à filmer. Le nombre de fois où nous avons eu que quelques minutes pour régler la caméra car le fond du marais était en train de céder. Et donc, du fait des positions de caméra, on a dû monter et filmer très rapidement dans de nombreux cas. C'était difficile et le temps était horrible. Cependant, je dirais ceci. Si vous choisissez d'aller faire un film dans un marais en plein hiver, vous méritez probablement ce que vous obtenez. Quant au scénario du film et à l'enchaînement des événements, il dit ceci. On peut dire que c'est la faute de nos gars qui se sont retrouvés dans cette situation. Dans un collectif, il y a des individus qui ne sont pas aussi évolués les uns que les autres. Dans cette situation, ça devient la guerre. Avec des résultats mitigés et une paranoïa concomitante, même parmi ceux qui sont les meilleurs et les plus brillants du peloton. Southern Comfort essaie de ne pas être un drame facile. À sa sortie, le film a été acclamé par la critique, mais selon les propres mots de Walter Hill, il n'a pas fait un copec nulle part. Étranger, national, n'importe où. J'étais fier du film, mais j'ai été déçu du manque de réponse. C'était un échec unilatéral de l'audience. Habituellement, vous pouvez dire « Oh, il a bien marché au Japon, en Chine, quelque chose dans le genre. » Je pense que là, il a été aimé nulle part. Alors pourquoi ce film ? Parce qu'avec ma dernière citation, je suppose que je vous l'ai vachement bien vendu. Eh bien oui, j'adore ce film. Un film que j'ai d'ailleurs découvert sur le tard car sa jaquette belliqueuse avec cette ombre de guerrier dans les marais m'inquiétait. Comme quoi les enfants sont assez intelligents pour savoir ce qu'ils peuvent encaisser ou pas. Je pense par exemple au film Délivrance auquel ce film se rapproche inévitablement. Parlons d'abord de l'éventuel racisme. Le film ne prend pas parti et je pense que tout le monde en prend pour son grade. Côté garde nationale, on a bien les deux facettes, celle du patriote qui sert son pays et celle du demeuré qui veut tirer sur tout ce qui bouge. Idem côté Cajun, avec des chasseurs violents et déterminés et des villageois qui profitent de la vie simplement. Qui sommes-nous pour les juger ? D'ailleurs, c'est amusant de voir la différence de pitch selon les sources sur internet. Vous pouvez très bien trouver « gardes nationaux pris en chasse par des Cajuns violents » à « gardes nationaux qui par leur comportement provoquent une situation de guerre ». Parlons ensuite de la mise en scène, elle est ultra efficace. C'est un des survivals les plus nerveux que j'ai vu. Les acteurs en chient littéralement et ça se voit à l'écran. Le décor naturel des bayous est captivant et le sentiment perpétuel d'un danger non identifiable est terrible. Et enfin, la scène de la fin du film où l'enfer se déchaîne sur fond de musique Cajun. Je ne spoil pas car vous allez bien sûr courir, acheter et voir ce film, mais la musique vous trottera dans la tête longtemps et vous penserez au combat final. La musique justement, le film est soutenu par une bande sonore atmosphérique de Ry Cooder, un collaborateur de longue durée de Walter Hill. La chanson « Parlez-nous à boire » chantée lors de la fameuse scène de fin a été interprétée par le musicien cajun Dewey Balfa. Je vous invite donc fortement à aller voir ou découvrir ce film. Vous le trouverez en occasion en DVD, mais vous le trouverez aussi en Blu-ray, par contre sans piste française. Il y a une version italienne qui est pas trop chère avec une très belle image. Je vous la conseille fortement. Alors foncez voir ce film, c'est une très bonne affaire.
Et pour changer, je vous propose que l'on se quitte avec justement quelques secondes de la chanson « Parlez-nous à boire » que vous allez peut-être trouver amusante, mais après le film, vous la trouverez plus du tout amusante, je vous assure. À bientôt.